Alors ça, c'est le gros sujet, très très inquiétant. Il y a eu l'affaire Charlie, où on a vu un plan média planétaire se mettre en place du jour au lendemain pour justifier une politique de basse police. C'est effrayant hein, quand les choses fonctionnent aussi massivement. On a là l'idée du complot, de quelque chose qui a été préparé, organisé, qui ne peut pas être spontané. Il faut quand même comprendre, quand on a une certaine culture, que des choses aussi qui explosent, de façon aussi massive et instantanée, sont tous spontanées. Un petit corps échoué sur cette plage de Turquie. C'est celui d'Aylan Kurdi. Il avait 3 ans et était kurde de Syrie. Les gardes-côtes désemparés le transportent. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, ait cette vertu d'éveiller les consciences. Des petits enfants qui sont morts sur des plages. Il y en a plein. Il y a notamment ceux de Gaza qui étaient en plus déchiquetés. Ça n'a pas conduit la communauté internationale à dire qu'il fallait immédiatement créer un État palestinien souverain et indépendant. Vous voyez ce que je veux dire ? D'abord, on est sans voix face à cette image, face à ce petit corps, face à ce petit garçon échoué. On a des petites filles chrétiennes décapitées en Syrie, en Irak et ailleurs par des types de Daesh toute la journée. Ça n'a pas empêché Fabius de continuer à les soutenir. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Plus Sarkozy, plus en fait tous les partis politiques, excepté le Front National. Hein. Donc l'instrumentalisation de ce bébé mort est typiquement une escroquerie politico-médiatique qui renvoie à la stratégie des French Doctors, c'est-à-dire quelque chose que nous avons inventé dans les années 70 avec l'ignoble... Des enfants français, c'est-à-dire, ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois c'était un enfant parmi les 13 millions de Français. L'ignoble... Kouchner en premier lieu, c'est-à-dire de jouer sur l'émotionnel pour appuyer la géopolitique impériale américano-sioniste. C'est le couronnement du grand élan de solidarité de nos écoliers vers les enfants de Somalie. Cette déferlante migratoire est très très terrifiante et inquiétante. Je pense que si on veut prendre de la hauteur de vue, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une réponse du capital en crise. À la crise du capital. C'est-à-dire que quand le capital atteint une crise majeure, il peut y avoir une réaction saine, qui est celle des Trente Glorieuses, qui est de rebasculer un peu vers le social et faire en sorte que le social reprenne le contrôle du capital au service du social. C'est les Trente Glorieuses, c'est le CNR. En octobre 1944, les communistes rendent leurs armes et entrent au gouvernement de Gaulle comme tous les autres partis politiques membres du CNR. Ils seront les plus ardents dans l'application du programme, notamment avec la création d'EDF par Marcel Paul ou l'instauration de la sécurité sociale par Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. C'est ce qui s'est passé après-guerre parce qu'il y avait eu un bain de sang de 50 millions de morts. Après 50 millions de morts, on peut redevenir un peu sérieux et raisonnable. Là, on est exactement dans la stratégie inverse. La crise financière chinoise, qui va avoir des conséquences dramatiques en réalité sur la crise avancée financière américaine, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, pousse en réalité l'oligarchie mondiale à produire une crise sociale de même ampleur que la crise économico-financière, afin de rendre tout ça ingérable et de ne pas perdre le pouvoir. Et donc je dirais que cette stratégie de faire affluer massivement sur l'Europe des migrants de zones de guerre qui n'avaient pas de raison de bouger aujourd'hui, alors qu'ils auraient pu bouger il y a 10 ans en Irak, 3 ans en Syrie et 2 ans en Libye, c'est une volonté américaine et israélienne de faire déferler sur l'Europe des populations que j'appellerais des nomades parasites. From Syria. Syria. How is your life? Bad. Die Lebensmittel der ausgehungerten Leute. Und hier haben wir von denen, die verdursten, die vollen Wasserflaschen. Ja, Dokumente, die vermisst man ja leider auch. We had strong national identity. Those who you see out in streets of Belgrade on their way to Germany or Holland, they are not the real Syrians. Don't misunderstand me. I love my people.
people. But my people, those who are fighting for Syria, for our homelands, they are not refugees. They are economically motivated immigrants. Afin d'empêcher tout sursaut national, quel qu'il soit, et toute cohérence populaire de défense contre la loi ultra-violente du capital en phase de chaos. Hein. Parce que il suffit de regarder Calais, qu'entre le français paupérisé sera mis face aux réfugiés syriens, qui sont principalement des mâles jeunes de 20 ans. Hein. Très peu de femmes, très peu d'enfants. On horizontalisera les tensions et on empêchera donc un peuple, quel qu'il soit, de s'unir pour lutter contre le capital. Et là, on est bien dans le titre de mon livre, « Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations ». C'est une stratégie de migration accélérée avec la collaboration de toutes les élites politiques européennes et de tous les médiatiques et des artistiques, qui sont toujours des collabos de tous les pouvoirs. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays. Cette stratégie de migration accélérée est, à mon avis, une stratégie d'empêchement par la destruction de tout sursaut patriote et national contre le nouvel ordre mondial en phase de crise capitaliste et financière avancée. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et si on le prend à l'échelle française, ce n'est jamais que l'étape supérieure de la stratégie du regroupement familial. Le regroupement familial a été voulu par les loges, le capital et, on va dire, la communauté juive organisée de niveau mondial. On a vu au mois de juillet, au mois d'août, ces salles remplies de malheureux travailleurs étrangers et qui attendaient avec impatience de pouvoir prendre un avion. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse. A été une stratégie de métissage forcé du peuple de France afin qu'il ne puisse plus jamais se soulever comme il s'est soulevé. Vous voyez, c'était pour qu'il n'y ait plus jamais la possibilité d'un peuple qui peut se soulever sur des idées barétiennes, vous voyez. Mais là, on atteint une phase bien plus grave, avec toujours les mêmes d'ailleurs qui poussent à la soumission. Il y a des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe. Mmh. Eh bien, organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Mes grands-parents sont venus d'Allemagne au moment où Hitler était au pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui pour les réfugiés, ça a une résonance très forte pour les juifs de France. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. Il y a par conséquent peut-être une inquiétude française hein, sur la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à l'immigré, où on essaye de ne pas regarder en face ce qui a réellement fabriqué l'histoire de France. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Mmh. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? ישראל איננה אדישה לטרגדיה האנושית של הפליטים מסוריה וגם מאפריקה. אבל עם זאת, ישראל היא מדינה קטנה, קטנה מאוד, אין לה עומק דמוגרפי ואין לה עומק גיאוגרפי. ולכן אנחנו חייבים לשלוט על גבולותינו, גם נגד מסתנני עבודה בלתי חוקיים וגם נגד מחוללי טרור. Enfin, on voit qu'ils montent tous au créneau pour dire que les Français, en période de chômage et de crise aggravée, doivent en plus accepter, au nom des droits de l'homme, toute la misère du monde. Misère du monde que ces mêmes gens qui nous demandent, nous, peuple de France, de les accueillir, misère du monde qu'ils ont créé totalement par la destruction de l'Irak, à laquelle ils ont participé. Écoutez, d'abord, je ne suis pas un inconditionnel des Américains. Ouais. Hein ? Je suis un inconditionnel de la chute de Saddam Hussein. C'est pire parce que Hitler a déjà existé. Mmh. Alors que Saddam Hussein, c'est 50 ans après Hitler de tolérer et qu'on supporte ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Mais ce que la France propose, ce n'est rien d'autre que le maintien au pouvoir de Saddam Hussein, c'est-à-dire
la mort lente des Irakiens. Bernard Kouchner se distingue en se prononçant en faveur de l'intervention américaine en Irak en 2003. Remplacer un régime dictatorial et assassin par une démocratie, ça ne peut que faire du bien par où ça passe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Irak, puis Libye, puis Syrie. Aujourd'hui, il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont déclencher, créer un bain de sang. Gaddafi ne doit pas gagner, car si Gaddafi gagne, c'est la fin de tout espoir de démocratie dans beaucoup de régions. Pourquoi pas la Syrie? Pourquoi ce que vous faites pour la Libye, pourquoi ce qui est fait pour la Libye n'est-il pas fait pour la Syrie? Il faut livrer des armes aux rebelles syriens, même si Al-Qaïda est présent, et Al-Qaïda représentant ce qu'on croit être les meilleurs combattants, en tout cas les plus déterminés, c'est évidemment très difficile, je le sais. Ce sont les mêmes qui organisent ce chaos, qui nous disent aujourd'hui qu'on doit assumer les conséquences de ce chaos, non pas Bernard-Henri Lévy, qui compte pas accueillir des miséreux dans son riad, mais le petit peuple de France, parce qu'il est évident que ces contingents de mâles de 20 ans, syriens ou autre chose, ou parfois d'ailleurs avec des agents de Daesh infiltrés, on va les loger dans des zones françaises un peu désertifiées, hein, c'est-à-dire il suffit de se balader en France pour voir les endroits où il n'y a plus un bar tabac, plus un commerce, des HLM un peu abandonnés ou des locaux publics un peu abandonnés, on va les stocker là. Et qu'est-ce que ça va donner? Il suffit de regarder Calais. We're in danger every day, every minute. They're coming inside with the police. They want to kill each other. We don't know what to do. You have to do something. Someone has to protect us. They are in our houses. And please, show some respect in the country you guys live. Respect us, we live here 1,000 years and we plan to live here and don't make us become extremes. Get out, please. It's a private property. You guys are violating the private property. Respect Greece. This is Greece. Ça va donner de la guerre civile généralisée bien horizontale. Hein. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un projet de chaos et une gestion collabo du chaos programmé par toutes nos élites instituées. C'est le devoir de la France. La France, où le droit d'asile fait partie intégrante de son âme. Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. Il y a l'urgence. Il y a des gens qui sont abandonnés sur les routes, qui sont sans aucun recours. Leurs droits doivent être respectés. Il y en a qui relèvent de l'asile et qui demandent l'asile. Les procédures donc doivent être mises en œuvre. Elles le sont. La grandeur de la France, c'est d'avoir accueilli de grands artistes qui ont façonné sa culture. La grandeur de la France, c'est d'avoir toujours accueilli des migrants anonymes, des réfugiés inconnus, des enfants adoptés, et d'en avoir fait des ministres, et parfois même des présidents de la République. On doit accueillir tous ceux que nous pouvons accueillir. Nous avons à prendre une partie de la misère du monde. Quant aux Français, ils sont plus intelligents que ne le croient leurs élites. Ils ont parfaitement compris que accueillir des réfugiés, aujourd'hui, ils en sont tous d'accord. Et je dis qu'il faut le faire parce que nous n'avons pas le choix. Une chose est sûre, les migrants ne peuvent pas dormir dehors. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas digne. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention et qui nous oblige. Non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. C'est l'honneur de la République. Mais si on est de gauche, si on est socialiste, même si les Français ne sont pas d'accord, c'est une cause humanitaire qu'il faut porter. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille. Au cas par cas, il y a des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver, les futurs Montaigne. Et que là, on a vraiment, on se rapproche du camp des saints. On a vraiment un pays qui est la France, qui n'est plus en voie d'affaiblissement,
dont la réponse pourrait être ma stratégie réconciliation nationale. Là, on est dans une phase de submersion et de chaos ingérable et qui va produire, à mon avis, des milices, de la violence pure, des viols, des prédations, etc. Et je pense que c'est ce chaos-là que veut le capitalisme du chaos pour pouvoir se maintenir. Voilà, c'est la stratégie du chaos généralisé. Et c'est la France est en danger de mort, là, c'est clair et net. Et ça, bon, ça correspond à tout ce que j'annonce depuis des années. Et je suis assez terrifié d'avoir raison à ce point-là. Ça va même au-delà de ce que je pensais dans la violence du projet. C'est un projet ignoble et qui est en train de se mettre en place sous nos yeux.